que je crée un conte autour de ce fait fort que les Amérindiens ont fait. Moi, en tant que métisse, il faut que j'en parle de ça. Lors du solstice d'été, Ahtoka demanda à Aneda de devenir sa femme à la prochaine lune. Elle accepta, car elle lui avait pardonné et l'aimait profondément. Une grande fête fut organisée pour cette occasion. Après plusieurs lunes, une petite fille naissait de cette union et faisait le bonheur de ses parents. Elle fut nommée Étoile filante. Mais ça, c'est une autre histoire. Si j'avais pas eu la culture amérindienne en moi quand je suis arrivée, je me demande si je serais capable encore d'être ici, quoi. Parce que ça me permet d'avoir ma propre culture, de me sentir enracinée, même loin de mon pays. Parce que j'ai ça qui est en moi, et puis ça me suit partout. Je pourrais aller vivre maintenant dans n'importe quel pays. Je sais que j'ai mes racines. J'ai juste à être moi-même, moi, la petite métisse de Chicoutimi.